Alors, on va déclarer l'ouverture de ces journées d'été édition 2018, en espérant que tout le monde est rentré en forme de son été. L'année va être un peu chargée d'un point de vue militant, donc j'espère que notre tête de liste, Yannick Jadot, est en forme. J'espère que ses colistiers... J'espère que ses colistiers le sont également. J'espère que les militants qui s'apprêtent à faire la campagne le sont. Si vous ne l'êtes pas, vous avez 3 jours pour revenir au militantisme et nous allons tout faire pour que vous repartiez de Strasbourg fin prêt pour cette campagne. Alors, je voulais commencer par remercier très très chaleureusement le Centre Saint-Thomas. Son directeur ne peut pas être présent ce matin parce qu'il avait d'autres occupations. Mais sachez donc que Centre Saint-Thomas, c'est un centre confessionnel qui ne sont pas forcément habitués. Je pense d'ailleurs que c'est la première fois qu'ils accueillent un parti politique. Donc c'est une chance pour nous, sachons nous en montrer à la hauteur. C'est une spécificité locale. Sachez qu'à Strasbourg, les universités ont une charte qui proclame la neutralité. Alors ils auraient pu l'interpréter en disant du coup on accueille tous les partis politiques, mais comme le premier à avoir demandé était le Front National, ils l'ont plutôt interprété comme on n'en accueille aucun. Et donc si le Centre Saint-Thomas ne nous avait pas accueillis, nous n'aurions pas pu venir à Strasbourg. Et donc on les remercie d'autant plus que ce lieu invite, vous allez le voir, à la méditation, au calme, à l'apaisement. Je pense que nous en avons toutes et tous besoin. Un militant ce matin m'a dit c'est très important Marine parce que le cadre influe l'ambiance des événements, donc là je suis très, très sereine sur la manière dont ça va se passer et on pourra même donner l'adresse à d'autres partis pour l'année prochaine. Si vous voyez des militants en détresse, envoyez-les nous. Je dois vous dire que rarement nous avons été aussi bien accueillis parce qu'organiser un événement, c'est des mois de travail et souvent il y a des petites tensions sur pourquoi vous voulez mettre un barnum, il y a une salle, enfin plein de trucs techniques qui peuvent poser problème et rarement la préparation n'a été aussi simple et aussi fluide avec un centre. Donc vraiment, nous les en remercions. On vous demandera juste, vous pouvez les applaudir, on leur transmettra. Alors, qui dit centre confessionnel dit quelques règles. Vous allez voir d'ailleurs qu'il y a des sœurs encore qui habitent sur les lieux, que voilà, il y a des choses à respecter. Alors, on vous demandera ni de prendre vos repas dans le silence et les vêpres ne seront pas obligatoires, mais il y a quand même des règles à respecter. Normalement, les événements ici accueillent entre 100 et 200 personnes. Ici, sur les 3 jours, nous allons être plus de 1000. Donc, ils sont au courant, vous inquiétez pas. Mais voilà, on compte sur vous pour respecter ça. Il y a une autre consigne très importante, c'est qu'il ne faut pas nourrir la faune. Alors, je ne parle pas des militants écologistes qui pourront manger, boire à profusion, mais il y a des faons et des biches au fond du parc. Donc, vous pouvez profiter du parc, il n'y a pas de problème, mais ne nourrissez pas les animaux. Et le parc ferme à 21h30, on vous fait confiance. On ne veut pas passer la nuit avec la lampe torche à chercher des gens dans les buissons. Donc, à 21h30, on vous demande de ne plus aller dans le parc. Et puis, dernière règle de sécurité, de courtoisie, pas de déchets, bien sûr, dans le parc. Faites attention notamment aux mégots de cigarettes. Et en tant qu'écolo, je ne doute pas que ces règles seront appliquées à la lettre. Alors, nous sommes accueillis sur ce site. Nous sommes plus largement accueillis par ELV Alsace, qu'on remercie également pour tout le travail. Et donc, ELV Alsace, c'est toute une équipe mobilisée que vous allez voir et revoir dans les jours qui viennent. Mais on va laisser la parole aux 2 co-secrétaires régionaux. La légende dit que le premier, à l'âge de 5 ans, ne parlait pas un mot de français, ne parlait qu'alsacien. Ce n'est pas une blague. Vous n'aurez aucun mal à deviner de qui il s'agit. Et la légende me dit que la seconde n'est stupeur pas née en Alsace. Elle est née à Nantes, mais elle s'en est remise, elle s'est intégrée et elle s'épanouit au cœur du Haut-Rhin. Preuve que l'Alsace, même quand on ne parle pas alsacien, est une terre d'accueil. Ah, tu parles alsacien maintenant. Voilà, c'est une terre vraiment d'adoption. Donc je vous demande d'applaudir très très fort Michael Kugler et Cécile Germain. Salut, bisous. So, herzlich willkommen in Strasbourg. Merci de nous avoir dass à alle da sind. So, wir haben gehört, dass noch ein paar Elsässer Poble wie der Schneewölke gewachsen ist. Nun haben wir gesagt, die ersten Wörter sind auf Elsässisch. So, wir sind auch froh, dass ihr alle hier kommen.
Wir haben die drei Tage erst für uns gemacht, für die Elsasser wie gekommen sind. Es ist nicht immer einfach, in der ganzen Welt rumzureisen, für auf zum Erda zu gehen. Wir haben gesagt, warum dann nicht einmal hier in Strasbourg zu machen, ob wir nicht so weit gehen. So, viel Spaß und gute Arbeit. J'espère que moi, vous allez me comprendre. Donc, bonjour et bienvenue à vous, les amis de l'écologie de France, de Navarre et de toute l'Europe. Nous sommes très heureux de voir autant de personnes présentes pour cette première édition des Journées d'été à Strasbourg. Ici, la culture locale est présente à chaque coin de rue, comme dans le quotidien des personnes. Cependant, sa préservation, liée symboliquement à la charte des langues régionales qui n'a toujours pas été signée par la France, est loin d'être simple. Et malgré ce qu'on dit dans l'actualité, ce n'est pas la fusion des deux départements Haut-Rhin et Bas-Rhin qu'on nous présente comme un aboutissement qui permettra une gestion équilibrée de notre territoire, un respect de notre environnement, une protection de ses patrimoines et surtout le respect de la démocratie. Pourtant, c'est ce à quoi aspire un grand nombre d'Alsaciens et d'Alsaciennes qui se mobilisent et se battent pour leur territoire depuis longtemps. Ainsi, à l'aube du mouvement écologiste dans les années 70, il y en a certains qui s'en souviennent certainement, les mobilisations contre l'industrialisation, la pollution et le nucléaire ont remporté des victoires dont les noms résonnent avec fierté dans le cœur des Alsaciens et des écologistes de tous les pays. Markolsheim, Ville ou Vulle. Et on se souvient quand même que c'est en Alsace que Solange Fernex et Antoine Wechter ont fondé le premier parti écologiste qui s'appelait Écologie et Survie, bien sûr. C'est un discours. Cet engagement n'a depuis lors pas fléchi. Affrontant bravement les contradictions qui régissent notre monde, l'écologie est vivante et bien ancrée. Nos sujets de lutte ne manquent pas. Les intrants sur les vignes, l'arrosage du maïs, les menaces sur les précaires, les problématiques d'accueil des migrants et les embûches qu'ils rencontrent à leur arrivée sur le territoire, les baisses de subventions aux associations, le numérique à l'école, la pollution de l'air à l'ozone en été, aux particules fines en hiver, ces records d'AVC, ces projets inutiles comme le GCO, grand contournement ouest de Strasbourg, Stocamine et l'enfouissement définitif de déchets chimiques ultimes sous la nappe phréatique, et bien sûr, depuis 40 ans déjà, la fermeture de la centrale de Fessenheim. Mais l'écologie n'est pas qu'une question de lutte contre des pratiques désastreuses, c'est aussi, surtout, construire autrement et ensemble. Et dans ce domaine-là, l'Alsace n'est pas en reste. Terre des possibles avec ses associations dynamiques et motivées, ses villages en transition comme Ungersheim, la capitale de la biodiversité à Muttersholz, son agriculture biologique, ses réseaux d'aide aux migrants, son slow-up vélo, que je recommande à tout le monde, ses écolos historiques et toujours sur le pont, les nouveaux qui nous rejoignent, et surtout, le Parlement européen. Après quatre changements de nationalité en moins d'un siècle et autant de guerres, le symbole de la paix et de la coopération se trouve pourtant ici, à deux pas de ce centre, le Parlement européen. Ce symbole fort est la preuve qu'il est possible de faire autrement. Et visiblement, des Alsaciens et des Alsaciennes le veulent. Aussi. Le veulent aussi. Il y a moins de quatre mois, Daniel Dambar et son équipe ont été élus à la municipalité de la troisième ville du Bas-Rhin, la capitale des brasseurs, Schultigheim. Signe de la vivacité de notre discours et de nos idées, nous allons lui laisser la parole dans un instant. Encore merci à vous d'être là et bonne journée à toutes et à tous. Merci d'être là. Alors, quelques mots encore avant de passer la parole à Daniel. Vous commencez là à prendre conscience que vraiment vous avez de la chance d'être là. Vous prenez conscience que vous avez de la chance d'être écologiste. Et je vais me permettre d'insister là-dessus parce que j'en suspecte parfois certains d'entre vous de ne pas être bien conscients de cette chance. Donc, vous êtes chanceux premièrement parce que vous avez des journées d'été qui sont ouvertes à tous les militants. Même d'ailleurs, on ne contrôle pas la carte d'adhérent à l'entrée, donc il y a même des gens parmi vous qui ne sont peut-être pas adhérents formellement de ELV, ça ne saurait tarder, bien sûr. Mais vous avez ce luxe. Vous seriez militant En Marche, par exemple.
Alors, vous auriez 300 députés, c'est un petit avantage comparatif, mais vous n'auriez pas les journées d'été. Vous seriez militant socialiste, vous devriez être élu pour accéder aux journées d'été des élus, mais pas des militants. Vous seriez chez les Républicains, vous seriez déchiré, car il y a plusieurs universités d'été selon la sensibilité à laquelle vous appartenez, et donc vous seriez entre le Touquet, la Bolle et je ne sais pas où, et vous, voilà, c'est vraiment un déchirement de ne pas voir tous ses copains, mais seulement ceux de sa sensibilité. Cette chance, vous semblez l'apprécier, car cette année, nous avons plus d'inscriptions que l'année dernière. Et quand je dis plus, c'est voilà, c'est pas, on s'est pas inscrit à 3 avant de rentrer pour dépasser de 2 inscriptions. C'est vraiment, on est en moyenne à 20% d'inscriptions en plus que l'année dernière. Vous avez de la chance parce que vos journées d'été sont participatives. Et chacun sait que le militant écolo a sa cheville au corps, le participatif. Vous participez à l'élaboration du programme. Vous participez aussi au financement. Alors, par votre inscription, cette année, nouveauté, vous aviez la possibilité, en vous inscrivant, de payer une inscription suspendue pour payer l'inscription de quelqu'un qui, sans vous, n'aurait pas pu peut-être venir. Vous êtes 120 à avoir payé des inscriptions suspendues. Ça permettra à 40 jeunes écolos, 40 Strasbourgeois et 40 militants de venir gratuitement assister à ces journées. Donc, comme c'est un succès, bien sûr, nous recommencerons l'année prochaine. On vous dit que vous participez au financement aussi, souvent via la buvette. Alors à Dunkerque, on vous avait expliqué que quand on buvait un fût de bière, on pouvait payer la venue d'un intervenant. Ici, on va compter en flammekueche, puisqu'il y aura des flammekueches, végétariennes et véganes, deux choix. Alors le calcul est un peu plus compliqué, donc je parle sous le contrôle de Thomas Porcher, économiste, qui est là au premier rang, parce que les flammekueches, il y a beaucoup de coûts fixes. Vous allez voir, il y a un four à flammekueche, très très cher à louer. Donc la première flammekueche ne nous rapporte pas beaucoup d'argent, mais à partir de la 100e flammekueche, là vraiment, on commence à performer économiquement. Et donc l'objectif fixé collectivement que vous nous aider à remplir est 1000 flammekueches. Et je sais que nous pourrons le faire, donc on tiendra un baromètre bien sûr à jour, on vous tiendra informé. Je tiens à signaler que l'année dernière et l'année d'avant, les journées d'été ont été neutres financièrement pour le parti. C'est-à-dire que les recettes ont équilibré les dépenses, mais ça c'est un travail d'équipe, donc nous comptons sur vous. Vous l'avez compris, on applique notre programme à la lettre. On consomme non seulement local, mais ultra local, donc c'est à quelques mètres à la buvette. Et puis il y a aussi un restaurant pour ceux qui ont acheté, pré-réservé leur repas. C'est des repas qui sont assis, qui sont servis à table. Donc qui dit service à table dit il faut être tous assis en même temps. C'est très dur là aussi pour des écolos. Mais on compte sur vous pour aller à l'heure qu'on vous a indiquée. Il reste d'ailleurs des tables pour le samedi soir. Vous pouvez acheter des tickets à l'accueil. Vous participez au financement, vous participez également à l'organisation. Alors, il y a des bénévoles, on les remercie vraiment beaucoup parce que ça fait quelques jours maintenant qu'ils s'activent pour que tout soit prêt et tout est prêt. Mais ces bénévoles, vous allez voir, là, ils sont très en forme. Et puis demain, ils seront un peu moins. Et puis samedi, vraiment, ils seront fatigués. Donc n'hésitez pas à aller leur donner un coup de main. On a besoin de coups de main à la buvette. Vous vous y présentez pour vous désigner. Et on a aussi besoin de gens pour le démontage le dimanche, de traducteurs. Si certains d'entre vous parlent anglais ou allemand, vous verrez qu'il y a des petits... Donc les verts, c'est les bénévoles. Les bleus parlent anglais. Et les rouges parlent allemand. Donc Cécile parle bien sûr toutes les langues. Et donc si vous avez des compétences à proposer là-dessus pour accueillir nos partenaires, n'hésitez pas. On a besoin aussi de gens pour vider les toilettes sèches. Ce n'est pas la tâche la plus agréable, mais c'est essentiel à la survie des journées d'été. Et puis pour montrer l'exemple, le bureau exécutif, samedi de 18h à 19h30, tiendra la buvette lui-même pour permettre aux bénévoles de se reposer. Ça ne sert à rien de venir négocier des bières moins chères, ça sera le même prix. Nous serons intraitables, mais on vous invite à faire la même chose. Prenez une demi-heure, une heure, ça dépanne tout le monde. Pour vous remercier de toutes ces participations au programme, aux finances, à l'organisation, vous avez dû trouver dans vos paniers un financier bio qui vous est offert par le chef Dominique, qui l'a fabriqué lui-même. L'emballage est en amidon, il est compostable, alors pas dans le parc bien sûr, mais il y a des poubelles compostables où vous pourrez le mettre. Si ça vous plaît, sachez que Dominique a aussi préparé une création
pour séjourner l'été, un tiramisu goût mojito. Mais il n'y en a que 300. Donc ça veut dire qu'il faut l'acheter, bien sûr, tout de suite en sortant. Il a aussi préparé des gazpacho, des sandwichs vegan et végétariens. Et donc, vraiment, allez le voir et tester tout ça. Il y a un truc sur lequel vous avez failli pas avoir de chance, c'est que, en fait, on a eu un problème de livraison des Eco Cups. C'est-à-dire qu'on les a cherchés partout, ils sont jamais arrivés, et suite à une investigation très approfondie, on les a retrouvés à Perpignan, donc suite à une erreur de livraison. Donc ils sont en train de revenir, ça prend un peu de temps. Et donc entre-temps, on a trouvé une solution, parce que l'écologie, c'est aussi une famille et c'est aussi la solidarité. Et Alsace Nature est venue à notre rescousse, nous a prêté 434 éco-cups, et ils veulent récupérer 434 éco-cups. Donc ceux qui ont pris des verres ce matin, ceux-là, il ne faut pas les garder en souvenir, il faut les rendre. Et vous aurez votre éco-cup à partir de cet après-midi ou demain, le collector des journées d'été que vous pourrez ramener chez vous. Mais vraiment, n'emportez pas chez vous ceux de Alsace Nature, sinon ils ne nous en prêteront plus. Finalement, vous avez de la chance parce que vous allez rencontrer des gens formidables et assister à des ateliers formidables. On remercie les représentants d'autres partis qui sont venus nous faire l'honneur de participer à nos journées d'été. Alors, il y a le parti de gauche, il y a Ensemble, il y a le parti communiste, il y a RPS, oui, il y a Génération, il y a le parti pirate et il y a le MEI. Merci à eux et soyons les accueillir dignement. Notre tête de liste m'indique qu'il y a également CAP 21, donc que nous accueillons aussi dignement. Ces journées d'été sont co-organisées avec le Parti Vert européen et donc seront notamment présents leurs deux responsables, Reinhard Bütikofer et Marc Garcia. Également co-organisées avec le groupe Vert ALE du Parlement européen. Donc Philippe Lamberts est là au premier rang, il sera dans la première plénière. Ska Keller, qui est sa binôme, sera là également dans les prochains jours. Et puis, bien sûr, au sein de ce groupe Vert ALE, la délégation française est un partenaire privilégié de ces journées d'été. Et nous remercions Michel Rivasi, que je vois là, Yannick Jadot, Karim Adeli, José Bové. Il y a Pascal Durand qui s'est excusé, qui ne pourra pas être là, mais qui sera également présent. Et Eva Joly, qui devrait bientôt arriver. On va aussi, grâce à ce partenariat, avoir beaucoup de nationalités différentes sur le site, plus de 15 nationalités. Nous aurons donc des militants d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, de Chypre, de Pologne, d'Albanie, d'Irlande, de République tchèque, d'Italie, d'Espagne, des Pays-Bas, de Hongrie et de Finlande. Donc voilà, nous parlons anglais et allemand, mais nous accueillerons plus de nationalités. Et puis juste pour finir sur le programme, vous avez vu, il y en a pour tous les goûts. Tout est diffusé pour ce qui est de cette salle plénière en live sur Facebook et donc vous pourrez le revoir en rentrant. Il y a juste deux choses que je voulais préciser. La plénière de jeudi soir, alors elle n'apparaît pas telle qu'elle dans le programme parce que c'est un partenariat avec la Green European Foundation, la Fondation des Verts Européens. Et donc pour des raisons financières et juridiques, c'est un autre programme. C'est-à-dire qu'on les accueille sur le même site, mais c'est deux programmes distincts. Mais donc jeudi soir, il y a bien une plénière avec eux. Et puis vendredi soir, il y a une erreur dans le programme. On a indiqué 20h30, mais la plénière aura lieu à 19h30. C'est une plénière sur les green success, sur les succès écolos, parce que figurez-vous que des fois, on gagne des choses. Donc, nos députés gagnent de grosses victoires au Parlement européen. Nos militants gagnent des victoires de Notre-Dame-des-Landes à bientôt Bure, bientôt Sivens, bientôt Stocamine, bientôt le GCO. Nous n'en doutons pas. Et figurez-vous que même parfois, on gagne des élections. On en a gagné une cette année, grâce à Daniel Dambach, à Schiltigheim. Et donc, on est impatients de lui laisser la parole pour un petit boost d'énergie. Parce qu'en 2020, on va devoir faire tous pareil, bien sûr. Donc, on écoute bien les conseils et on accueille avec un tonnerre d'applaudissements Daniel Dambach. Oui, donc bonjour à tous. J'ai un peu la pression. Hein. Bon, il faut dire qu'à Schiltigheim, capitale des brasseurs, la pression, ça nous connaît. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, début août, j'accueillais quelque chose comme 30 000 personnes en 4 jours sous un chapiteau un petit peu plus grand que celui-là. Mais bon, on ne va pas faire la fine bouche. Je suis très heureuse d'être ici avec vous tous aujourd'hui, d'être avec la grande famille des écologistes avec laquelle je me sens pleinement en phase. Alors, je ne sors pas,
comme ça par hasard, de manière un peu magique d'un chapeau. J'ai la chance d'être donc maire de Schiltigheim, deuxième commune de l'Eurométropole, 32 000 habitants depuis le 22 avril. Et c'est le fruit d'un travail. Le fruit d'un travail depuis de longues années d'occupation du terrain, le fruit de conviction aussi, donc ancienne cité des Brasseurs qui aspire à le redevenir et qui aspire aussi à retrouver un rayonnement international, parce que Schiltigheim au début du XXe siècle avait sa compagnie de chemin de fer qui allait jusqu'au Luxembourg. Schiltigheim a des cathédrales industrielles comme la brasserie Fischer que vous voyez quand vous venez de Paris en TGV avec les deux cheminées, cathédrale assez emblématique, laïque bien sûr, et qui accueillera très prochainement le deuxième cinéma MK2 de France, ce qui est quand même pas rien. Voilà. Alors pourquoi je suis maire de Schilic ? Ben, ça s'est fait sur une fond de crise politique, mais qui s'est appuyée sur une crise plus profonde au sein de notre commune, à savoir que ben, mes deux prédécesseurs n'ont pas su trouver ou pu trouver la manière d'être et la manière de faire pour convaincre les Schilicois. Alors, je n'ai pas inventé la poudre, mais j'ai simplement réussi à rassembler autour de moi une équipe de personnes sincères, convaincues, des gens de gauche, des gens sortis de la société civile qui ont milité dans des collectifs, dans des associations depuis plusieurs années, pour un urbanisme respectueux, pour un développement de ville qui prenne en compte l'humain, hein, parce qu'en moins de 4 ans, il y a quand même une quinzaine d'espaces verts qui ont disparu dans notre commune. Hein, le fameux parc de l'art, 15 hectares, aux portes du Wacken et de Strasbourg, a failli lui aussi disparaître. Nous avons eu heureusement la mobilisation d'un certain nombre d'habitants du nord de leur métropole, et avec l'aide de José Bové, nous avons fait un grand pique-nique. Et puis du coup aujourd'hui un géant de la restauration rapide renonce à y venir, on renonce à une route et on va sacraliser cet espace vert qui est un poumon nécessaire pour le nord de leur métropole. Voilà, donc à Schilic, hein, donc pour les intimes, j'ai quelquefois envie de dire Schilix, on est un peu des résistants, et j'ai espoir. J'ai espoir parce que jamais je n'aurais pensé que dans notre commune, les habitants étaient mûrs pour élire une femme à la tête de leur ville et élire en plus une écologiste, parce qu'on a pas mal été dénigrés, hein, faut le dire. Dénigré dans le sens où voilà, les écolos, de toute façon, ils ne sont pas présents, c'est quelques marginaux. Et puis, il se trouve qu'on était effectivement très peu d'élus dans une équipe déjà entre 2001 et 2008. Ensuite, c'était, oh, pff, ils ne connaissent pas leur sujet. Bon, voilà, il se trouve qu'on les connaissait, nos sujets, qu'on intervenait souvent, qu'on allait à 4 ou 5 dans toutes les commissions. On s'est intéressé à notre ville à fond. On a été dans les quartiers, on a été... vraiment sur le terrain. Tiens, ils sont pragmatiques, tiens, ils ont de bonnes idées. Et puis, petit à petit, une crédibilité s'est construite. Alors, heureusement aussi que j'ai pu m'appuyer sur le groupe des écologistes de Strasbourg, donc avec Alain, Marido et tous les autres, Jean, Jeanne, Pierre, Françoise. C'était quelque chose de très important pour moi à une époque où j'étais dans l'opposition avec deux autres élus, donc Patrick Massijewski et André Buchmann, et où on s'est senti un peu isolé, marginalisé, vilipendé. Hein. À un moment donné, on m'a quand même traité d'Attila, là où Daniel Dambarpas, plus rien ne doit repousser. J'étais censée laisser les friches aux rats et aux mauvaises herbes. Voilà, donc il a fallu montrer que non, nous avions un projet de ville, celui de reconstruire la ville sur elle-même, bien sûr, mais avec équilibre, en laissant de la place aussi à de l'espace vert en pleine terre, en laissant la place à l'humain. Et on n'a pas lâché. Et on n'a pas lâché. Maintenant, rien n'est gagné. Rien n'est gagné parce qu'on remet ça dans 2 ans. Donc depuis que je suis arrivée, donc avec l'aide aussi de nos amis socialistes, parce que ça ne s'est pas fait juste des écologistes tout seuls, il se trouve que avec Nathalie Jean-Poc-Bertrand, nous connaissions, nous avions déjà travaillé ensemble, ce qui a facilité l'installation. Ben, on est arrivé en branle-bas de combat, et en deux mois et demi, on a fait 9 réunions publiques. Voilà. Et j'ai bien retenu la leçon de Jean-François Caron, qui à l'époque, j'avais fait une formation avec lui, qui était extrêmement importante pour moi, qui a beaucoup compté dans mon parcours. C'est
pédagogie. Mais pas de la pédagogie pour de semblant, vraiment, avec des choses concrètes derrière. Donc mon équipe aujourd'hui, 30 élus, dans la majorité, la maire, 11 adjoints, 18 conseillers délégués. Donc on m'a critiqué en disant c'est une armée mexicaine. J'ai dit non, c'est juste une armée chiliquoise qui est au travail pour faire évoluer la ville. Donc voilà, on n'hésite pas à innover, pas avec prétention, mais avec humilité. Et ces 18 conseillers délégués ont chacun leur feuille de route. Ils sont au travail. Alors ça déboussole un peu les services de la mairie. Hein, donc j'ai un petit peu des soucis, parce que on les sollicite tout le temps. Donc je veux aussi pas les affoler, mais faire en sorte que les choses se construisent avec méthode. Donc voilà, donc c'est... On ne compte pas notre temps. J'ai de la chance aussi d'avoir pu renforcer mon cabinet avec Damien et Florie. Et je les salue parce que sans eux aujourd'hui, je serais déjà fatiguée et pas présente. Donc je voudrais vraiment qu'on les applaudisse. Voilà, alors je ne vais pas tenir le crachoir. On a du travail qui nous attend, mais je vous invite... demain après-midi, à faire une balade urbaine dans Chélic. Munissez-vous de bonnes chaussures parce que nos chaussées ne sont pas en bon état. La commune est aussi dispersée. Le centre, vous verrez, a pu être préservé, mais voilà, il y a des tas de friches de partout. Mais c'est enthousiasmant et on relève le défi. Et le fait de vous sentir autour de moi aussi nombreux aujourd'hui, voilà, ça me booste, et donc merci d'être présent et à demain pour certains. Voilà, merci. Merci Daniel pour cette belle illustration de ce parti où finalement tout le monde booste tout le monde, parce que je pense que tu nous as aussi bien boosté. Donc vous l'avez compris, l'opposition c'est dur. Mais au bout, il y a donc la victoire. Et c'est ce qui vous attend bien sûr toutes en 2020. Et pour nous emporter avec ces victoires, nous avons notre premier de cordée à nous, David Cormand, à qui nous allons laisser la parole pour clôturer cette séance de lancement des journées d'été. Merci. Chers amis, merci, merci à vous toutes et à vous tous qui prenez de votre temps en cette fin d'été pour participer au rassemblement des écologistes. À celles et ceux qui pourraient s'étonner de ce rendez-vous un petit peu rituel, je réponds que ce temps de rassemblement est précieux. Il favorise l'échange, la confrontation des points de vue, la rencontre de femmes et d'hommes engagés dans d'autres pratiques que les nôtres, à la fois jumelles et différentes. Ces journées d'été nous amènent aussi à embrasser le tempo des luttes pour un autre monde. Je formule le vœu que nous soyons davantage qu'un parti politique qui concourt au suffrage universel. Les élections sont respectables et essentielles. D'ailleurs, de ce point de vue, le rendez-vous des européennes de l'an prochain constitue une échéance majeure pour l'avenir de notre continent, et nous y porterons avec force la voix de l'écologie. Mais n'oublions jamais que nous ne pouvons pas nous contenter d'être une formation politique de plus. Notre projet implique que nous soyons des éclaireuses et des éclaireurs entraînant à leur suite la société tout entière. Notre destin ne saurait être de demeurer une avant-garde consciente, mais minoritaire. Je nous souhaite de faire mouvement. Je nous souhaite de faire peuple et de faire masse. Ne nous contentons pas d'être les gardiens du temple vert de l'écologie politique, sermonnant tel ou tel néophyte trop tard converti à notre goût. Devenir écologiste, ce n'est pas entrer en religion, mais bel et bien entrer en résistance. Devenir écologiste, ce n'est pas uniquement théoriser l'insoumission, c'est incarner le changement que nous voulons voir dans le monde, y compris en affrontant les intérêts puissants qui enserrent notre avenir jusqu'à l'étouffer. Je veux dire ici que la conscience que l'écologie est un combat ne doit pas nous quitter. N'oublions jamais que partout sur la planète, des écologistes payent de leur vie leur engagement. En 2017, ce sont 197 militantes et militants de la défense de l'environnement qui ont trouvé la mort, pour avoir osé espérer voir la sagesse l'emporter sur la démesure, voir la corruption l'emporter, enfin voir la sagesse l'emporter sur la démesure, sur la corruption, sur la folie destructrice d'une poignée d'avares prédateurs. Je ne vous propose pas une minute de silence pour leur rendre hommage, mais bien plutôt une année de bruit, de tumulte, de mobilisation et de joie.
Oui. Oui, de joie. De joie parce que l'écologie doit être quelque chose de joyeux. Nous devons donner à voir quelle meilleure société nous proposons de bâtir. Nous ne sommes pas uniquement les dénonciateurs à la sable de catastrophes en cours, mais aussi les passeurs d'un nouveau monde. Nous avons un devoir d'imagination. À nous de trouver de nouvelles manières de convaincre que le temps de l'obsession pour la croissance est révolu. Que l'urgence climatique demande une révolution politique sans précédent. Que la nature n'est pas notre jouet, mais notre sœur. Que la condition animale n'est pas subalterne, mais cardinale, quand il s'agit de nous élever moralement. À nous de faire converger tous les ruisseaux de la pensée écologiste pour dessiner une nouvelle carte du monde qui guide celles et ceux qui en ont le plus besoin sur les chemins du changement. Car c'est le paradoxe. C'est le paradoxe de l'écologie politique. Par essence, notre message est universel et ne connaît ni frontières, ni barrières de classe. Pour autant, l'écologie n'abolit rien des enjeux sociaux et des rapports de force qui couturent l'histoire. Les adversaires de l'écologie sont nombreux, d'où la nécessité de construire une force agissante qui fasse progresser l'écologie dans les cœurs, dans les têtes et dans les actes. Et ce d'autant plus qu'à de rares exceptions près, droite et gauche productivistes se sont abreuvés au même imaginaire. La question nouvelle posée par les écologistes s'inscrit au-delà des nomenclatures classiques qui ont structuré des siècles de vie politique. Notre nouveauté dérange et bouscule l'ordre établi. Comment ne pas voir qu'en France, le pouvoir élu sur une promesse de changement poursuit la même triste politique de surplace écologique. Emmanuel Macron prétendait incarner une alternative à Donald Trump, l'homme pour qui l'écologie n'est rien et les migrants si peu. Au final, au-delà des mots, le pouvoir macronien aura tourné le dos aux migrants et à l'écologie. Je ne nie pas les difficultés sur l'un et l'autre des sujets. Mais si je les aborde conjointement, c'est qu'ils sont liés. Ils disent l'avenir du monde, son chaos, son désarroi face aux catastrophes humanitaires et écologiques. Ils disent aussi que sans volonté, rien ne se fera. L'un des nôtres, Damien Carême, engagé aux côtés des migrants, maire de Grande-Synthe. Le maire de Grande-Synthe, dont je veux saluer ici l'action courageuse, rigoureuse et capitale, démontre mieux que moi comment conscience écologique et sursaut civique ne font qu'un quand il faut agir pour endiguer les conséquences d'un système de développement aussi destructeur qu'inique. Nous devrions changer de voie. Malheureusement, le gouvernement actuel a choisi de ne pas remettre en question l'ordre injuste du monde. Par conformisme, toujours. Par manque d'imagination et par habitude, sûrement. Par cynisme, je n'ose le croire. Mais quand je vois leurs décisions comme leurs indécisions, je me dis que décidément, nous aimons ce qu'ils méprisent, que nous combattons ce à quoi ils se soumettent, que nous servons ce qu'ils veulent détruire, que nous croyons aux valeurs qu'ils ignorent. La vérité est que le macronisme est une illusion d'autant plus dangereuse que l'Europe entière est en proie à la tentation nationale populiste. L'orthodoxie libérale est son mantra de la seule politique possible, a ouvert la voie aux démagogues nationalistes et souvent xénophobes. À l'heure où Paul Bannon, le sinistre conseiller de Trump, ambitionne d'aider les droites extrêmes à se structurer, à l'heure où la Grèce sort lessivée des diktats de la Troïka, à l'heure où la Hongrie de Orban menace les libertés, il est plus que jamais nécessaire de proposer une nouvelle voie européenne. Pour l'Europe, nous ne voulons ni la dislocation portée par les partisans plus ou moins avoués du Frexit, ni le conservatisme mortel des défenseurs zélés du statu quo libéral. Nous voulons une Europe qui change, parce que nous voulons une Europe qui vive. Nous voulons une Europe qui protège, parce que nous voulons une Europe qui dure. Nous voulons une Europe qui accueille, parce que nous voulons une Europe de la fierté. Nous ne laisserons jamais le monopole de l'Europe aux Tartuffes, dont la foi européenne n'est que le paravent de leurs pratiques destructrices. S'ils veulent casser le modèle social et détruire l'environnement, qu'ils assument de le faire à leur nom propre et non en salissant l'idéal européen. Leur Europe est celle de l'impuissance, du renoncement et de l'égoïsme. La nôtre est celle de la solidarité, de l'ouverture et de l'espoir. Nos élus au Parlement européen l'ont inlassablement répété et démontré.
Au moment où leur mandat s'achève, je vais les remercier chaleureusement. Eva Joly, qui s'est levée. Eva Joly, qui s'est levée pour dénoncer les paradis fiscaux et défendre la justice, nous a fait honneur. José Bové, qui, rappelez-vous, José, qui, rappelez-vous, a été parmi les premiers à parler de la malbouffe que produit la terrible alliance des multinationales de l'agro-industrie, de l'agroalimentaire et de la grande distribution, qui rêve en réalité d'une agriculture hors sol, sans paysans et finalement sans vie. Pascal Durand, qui a lutté... Pascal Durand, qui a lutté contre la folie de notre modèle de surconsommation et le scandale de l'obsolescence programmée, et qui a été désigné personnalité politique européenne de l'année pour la défense des animaux par un rassemblement d'associations et d'ONG. Yannick Jadot, qui lui aussi parmi les premiers... à un moment on en parlait peu, à mettre sur la place publique le scandale des traités de libre-échange, leur opacité et les conséquences sociales, sanitaires et écologiques de leur application, et qui a aussi contribué à remporter aux côtés des ONG le combat décisif du chalutage en eau profonde. J'en profite pour saluer la présence de Claire Nouvian, présidente de l'ONG Bloom, dont l'engagement que vous connaissez a été déterminant pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens de notre continent à une cause qui, en réalité, ils ignoraient jusque-là. Merci, merci à toi. Karima Deli, Karima Deli, qui a mis en avant le scandale du Dieselgate et qui, en tant que présidente de la Commission Transport du Parlement européen, a contraint les constructeurs à rendre des comptes. Michel Rivasi, Michel Rivasi, qui mène un combat essentiel contre les lobbies, pour leur rappeler et leur dire qu'ils ne peuvent plus considérer que les institutions européennes sont leur territoire. C'est celui des citoyennes et des citoyens, et notamment des écologistes. Merci Michel. Toutes et tous ont toujours défendu ardemment nos valeurs avec la liberté de pensée et de parole qu'on leur connaît. Merci. Je sais que ce chemin que nous avons fait en commun est porteur de promesses d'avenir. L'écologie peut et doit être la base de la reconquête citoyenne de l'Europe par les Européennes et les Européens. Notre ambition est d'être le mouvement qui porte la mutation politique nécessaire pour faire face aux défis de l'Anthropocène. C'est-à-dire de ce moment de l'histoire où les activités humaines sont devenues la source majeure de changements géologiques. Le modèle de développement aujourd'hui à l'œuvre en Europe et ailleurs constitue une arme de destruction massive contre la planète et tout ce qui y vit. L'économie doit se décarboner impérativement. Il en va de notre survie et de celle de la planète. Nous devons porter ce message qui est culturellement radicalement différent de celui porté à grand renfort publicitaire par la société de consommation, qui est, c'est désormais avéré, la société de consommation. Cette économie folle, financiarisée, déshumanisée, cette économie folle, financiarisée, déshumanisée, a perdu tout lien avec les réalités terrestres. Nous refusons de consentir de nouveaux sacrifices au culte de la croissance qui détruit la planète et génère toujours plus d'inégalités. Notre ambition est de remettre l'économie à l'endroit, au service des humains et de la nature. C'est ainsi que nous souhaitons mettre l'investissement dont l'Europe est capable aux bons endroits, dans les économies d'énergie, les énergies renouvelables, les transports collectifs, la reconquête de la nature, la protection des biens communs et des services publics. Pour cela, nous n'avons pas vocation à nous dissoudre dans telle ou telle chapelle de la vieille gauche, de la vieille droite ou du macronisme. Notre rôle n'est pas de plaire à l'ordre ancien. À la vérité, nous souhaitons le défaire. Le peuple de l'écologie que je nous appelle à fonder est une communauté agissante qui multiplie les types d'actions.
Cette semaine, par exemple, nous avons annoncé la volonté de LV d'aller en justice contre Monsanto. Merci, Julien Bayou, d'avoir levé ce combat. Pourquoi nous l'avons fait ? Parce que c'est notre rôle, c'est notre place, c'est notre devoir. Le jardinier afro-américain qui a osé se lever pour faire face à Monsanto nous montre la voie. Aussi humbles, soyons-nous. Nous avons la possibilité de refuser le désordre écologique du monde, de combattre les crimes environnementaux, de dénoncer les écocides, de faire entendre nos voix pour faire respecter nos droits. Le même pays qui a porté Donald Trump, le climato-sceptique, à la présidence des États-Unis, a rendu justice à Dwayne Johnson. Noir et pauvre, issu de la classe ouvrière, simple jardinier, Dwayne Johnson est la preuve vivante que l'écologie n'est pas une affaire bourgeoise, mais nous concerne plus que tous. Permettez-moi alors d'emprunter le slogan des Black Lives Matter pour dire à Monsanto, nos vies comptent. Nous savons que vos produits sont dangereux. Vous le savez. Et désormais, le monde entier le sait. Alors pourquoi vous obstinez dans cette voie funeste ? Nos vies comptent davantage que les dividendes de vos actionnaires. Nos vies comptent. La nature compte. Le climat compte. La planète compte. C'est cette réalité indépassable qui nous guide et guide nos combats. Il y a 40 ans, lors des premières élections européennes de l'histoire, une femme, alsacienne, portait déjà ce message. Solange Fernex, tête de liste des écologistes, Solange Fernex, tête de liste des écologistes en 79, et aujourd'hui, je pense à elle. Car ce que nous sommes et ce qui nous rassemble ne vient pas de nulle part. Nous sommes le fruit de cette histoire. Nous sommes cette force politique écologiste qui propose, face au désordre, aux destructions et aux injustices de notre modèle de développement, un autre chemin pour l'Europe et la planète. Alors, à nous toutes et à nous tous, je demande de nous donner l'énergie nécessaire pour aller porter nos idées dans la société. Je nous demande d'être chacune et chacun les premiers de nos porte-paroles. Je suis fier d'être l'un des vôtres et de mettre mon temps au service de notre action collective. Aujourd'hui, comme demain, cette fierté qui m'habite, je veux la partager avec vous et en faire le moteur de nos succès futurs. Le monde appartient à celles et ceux qui n'ont rien. Nous agissons pour le leur rendre. Je vous remercie. Bien, je vais profiter de ce petit moment où vous êtes très chaud pour des applaudissements parce qu'il y a quelqu'un qu'on a oublié un petit peu de remercier et que c'est un jour un peu spécial pour elle parce que c'est son anniversaire. Et c'est Marine Tondelier qui donc... Voilà. Attention, vous allez la faire pleurer, vous y êtes presque.